Bonjour, bonsoir en tout cas tout le monde. Et on se retrouve ici pour j'ai un message pour toi, signe mystère. Et ce sera un tableau en 12 cartes. Bon ben voilà, j'avais envie de changer, hein, comme je me laisse aller à mes désirs, à mes envies, à mes... Voilà, on change le jeu, on n'est pas fermé sur un truc. Non, non. Ça fait du bien. Bon, les amis, je suis trop contente de voir les résultats des chiffres sur certaines vidéos de la chaîne. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Sachez que je vous ai fait la playlist pour les énergies du mois de novembre. Tous les signes sont postés, donc allez voir la playlist ou alors vous allez un peu avant ces vidéos, j'ai un message pour toi et vous trouverez votre bonheur. Allez, on y va pour le message pour toi. Évidemment, il y aura plusieurs messages. Et on va voir un petit peu ici dans un tableau de 12 cartes, qu'est-ce que j'ai comme information à vous délivrer pour les jours, les semaines qui arrivent. Qu'est-ce qui pourrait intervenir dans la vie de certains? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va résonner par rapport à votre situation? Eh bien, c'est ce que je souhaite. Allez, on y va tout de suite. Alors, bon, ici, on nous parle de communication, on nous parle d'échange, on nous parle ici de parler avec des gens. Oui, on parle avec des gens, évidemment. Bon, on peut parler avec les animaux aussi. Mais bon, c'est mieux de parler avec des gens. Alors, des discussions par rapport à quoi? Ici, on nous parle de discussions avec une femme d'un certain âge. Hein. Alors, ou alors elle a un certain âge, ou alors elle fait preuve d'une maturité sans faille. Ok? Tout simplement. Hein, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de parler avec quelqu'un qui a 100 ans, vous voyez. Comme moi, je suis très jeune. Hein, je suis très jeune, j'ai 51 ans. Mais j'ai une maturité. Voilà quoi. Alors, ok. Il pourrait y avoir même peut-être des rencontres. Hein, pour certaines personnes, si vous êtes cette femme d'âge mature, peut-être dans les transports, alors, ou lors d'un déplacement, lors d'un voyage, peut-être qu'on parle avec quelqu'un, d'aller le voir, d'aller la rencontrer, je ne sais pas, peut-être allez-vous aller rendre visite à votre grand-mère, à votre grand-tante, si c'est vous cette femme mature, peut-être que vous allez bouger, vous déplacer. Parler avec quelqu'un de bon, mais on fait quoi? Ça se passe comment là? On va voir par rapport à quoi. Ok, moi je vous conseille vivement de parler dans les jours qui arrivent avec toutes les femmes d'âge mûr que vous rencontrez parce que cette personne elle est remplie de sagesse. La voiture, le transport me fait penser aussi à quelqu'un qui va de l'avant, donc une femme mature qui est pleine de dynamisme, même si la tortue, elle peut nous parler de lenteur, mais ici, hein, avec la voiture, elle va plus vite que la tortue. Donc ici, j'ai envie de dire, on avance sur le chemin de la vie, en tout cas, on a des discussions, on a des échanges, on parle de déplacement. Et on a également peut-être quelqu'un qui nous transporte, qui nous aide quelque part. Alors oui, petite parenthèse importante, ce que vous voyez ici, parce que sur cette chaîne, hein, je tiens à rétablir certaines choses, parce que j'entends tellement de conneries sur certaines chaînes. Pardonnez-moi pour cette parenthèse enchantée. Donc, je vais prendre une carte et je vais vous montrer que ici, non, il n'y a pas de présence. Il n'y a pas la présence d'un ange, d'un guide. Il n'y a que moi, mes cartes, mon intuition, mon feeling. Et il n'y a pas d'orbe. Alors, comment je vais faire pour vous montrer ça? Alors, il faut que je joue, hein. Voilà, voyez, voyez, vous voyez ou pas?
C'est cette bougie-là qui se reflète dans le rayon laser de la caméra. Donc, je l'enlève et il n'y a plus d'orbe, il n'y a plus de guide, il n'y a plus d'ange, il n'y a plus personne. Il n'y a que vous et moi. Vous voyez la différence ? Donc, à bon entendeur, plein de bisous. On continue. Ok, on pourrait parler avec quelqu'un ici qui est artiste ou si vous êtes un artiste, peut-être parler avec quelqu'un qui a une forte, forte expérience, une forte valeur ajoutée dans tout ce qui est métier artistique. Ici, on a le fait aussi de vouloir créer, hein, de parler de création. Il y a peut-être une association avec quelqu'un qui va vous aider à parvenir à atteindre votre but. Ok ? Quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner des conseils sur son expérience dans un domaine qui concernera tout ce qui est métier créatif. On a peut-être ici des entretiens, je ne sais pas moi, vous allez peut-être postuler pour être, vous travaillez dans un musée, à la sécurité, oui en ce moment sécurité on n'entend parler que de ça, dans un musée pour d'ailleurs les gens de la sécurité, j'en ai dans ma consultelle, dans ma clientèle, oui, car vous n'êtes pas que des consultants, vous êtes aussi, bon, c'est comme pour l'histoire des guides et compagnie, hein. Vous êtes aussi des clients, évidemment, il faudrait arrêter de se voiler la face. Vous nous demandez un service, on vous rend ce service et il y a un échange d'argent, ça s'appelle un client. Donc, on va arrêter hein, avec les rencontres entre pratiquants, praticiens. Oui, on s'est mis sur le même chemin. Et oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a le destin, quoi. Mais faut arrêter le délire. Faut... Moi, je vais faire un live bientôt. Il ne faut pas que vous le ratiez. Hein, parce qu'on va parler. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai enlevé toutes les vidéos de ma chaîne et que j'étais à bout et que je ne supportais plus YouTube. Hein. Bon, enfin, tout va mieux, tout va pour le mieux. Bon, on arrête avec les parenthèses, mon Dieu. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis Gémeaux, j'ai la langue bien pendue. Et je suis dans une forme olympique, donc... bon, je ne sais pas moi, travailler dans la sécurité, dans un musée, dans un endroit où il y a de l'art, dans un endroit culturel, dans tout ce qui est concert, des choses de cet ordre-là. Je ne sais pas moi, électricien dans un truc de... Je sais pas, dans un zénith, dans une grande salle où il y a des tas de manifestations culturelles et compagnie. Ça peut être aussi peut-être, je sais pas, vous postulez pour être à l'accueil dans une galerie d'art. Peu importe. Ici, vous allez avoir des conseils, vous allez vous enrichir auprès de quelqu'un qui va vous donner des tuyaux, va vous faire part de ses compétences. Et va peut-être tout simplement vous motiver à aller de l'avant pour tout simplement pratiquer quelque chose de l'ordre de l'artistique. Mon Dieu, la love love, la love love. Est-ce qu'il faut que je vous la montre de plus près ? De l'amour, en veux-tu, en voilà. Alors, on va voir la suite, hein. On ne s'affole pas, il y a encore quand même 6 cartes à poser. Oh, une voie toute tracée. Non, mais il y a quelqu'un ici qui va faire. Alors, je vais parler d'amour après, je vais finir le pro. Ici, il y a quelqu'un qui va enfin suivre la voie de son cœur, qui va enfin... Il y a peut-être une personne ici d'un certain âge. D'ailleurs, gros bisous si jamais il y a une de mes clientes qui passe par là. Qui est peintre et qui peint des bateaux, des navires. Je lui fais un gros bisou, je ne sais pas pour quel signe je tire, mais bon. Ici, j'ai quelqu'un qui va écouter la voix de son cœur, qui va avoir le coup de pouce de la part d'une autre personne, peu importe qui est cette personne, et qui va enfin se dire, bon, maintenant, je suis la voix de mon cœur et je fais ce qui me plaît. On va retrouver un équilibre. On va retrouver un équilibre avec la balance grâce à ça. On va nous parler ici ensuite d'amour et de justice. Je vais y revenir tout à l'heure.
Alors, ici, j'ai un jeune homme. Ok. Donc, un homme. On peut avoir 50 ans et être un jeune homme. Moi, j'en connais. La longueur, le chemin, on va prendre son temps avec sagesse. On ne va pas hésiter, évidemment, à foncer, à prendre les choses en main et à suivre la voie de son cœur et de son destin. Mais on va prendre son temps, un peu comme moi en ce moment, vous voyez. On va se dire, bon, mais ben voilà, j'y vais, mais je dois garder un équilibre dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Donc, je vais faire ce qui me tient à cœur. Ça me prendra le temps que ça prendra. Je vous dis ça par rapport à moi, parce que c'est un peu comme si je redémarrais tout à zéro. Après avoir vidé ma chaîne, c'est un redémarrage à zéro, qui ne me fait absolument pas peur. Et je vous conseille de n'avoir peur de rien, les amis, comme cette panthère. Vous allez avoir de la force, du courage. J'ai l'impression qu'il y a des énergies ici, de personnes plus expérimentées et moins expérimentées, qui vont s'échanger du savoir, qui vont se donner de la motivation. L'un entraîne l'autre. Il y a un effet ici de solidarité, un effet aussi coup de cœur au niveau professionnel, au niveau artistique. Magnifique. Et j'ai la campagne. La campagne, c'est quoi? C'est la paix, c'est la sérénité, c'est la végétation, c'est l'oxygène. Donc, vous allez avoir la force de mettre en œuvre un projet dans tout ce qui est artistique. Et je pense que vous allez réussir. Alors, qu'est-ce que vient faire cette histoire de campagne dans cette histoire? Il y a peut-être des gens qui vont changer de vie grâce à ça et qui vont pouvoir aller vivre dans un endroit plus calme, plus apaisé. Peut-être que si ce n'est pas le cas, vous allez tout simplement vous reconnecter à la nature, vous reconnecter, vous recentrer, vous réaligner avec la terre-mère. Et ça va vous rebooster, hein, vous rebooster. Donc moi aujourd'hui, ben, j'ai fait mes consultations, j'ai fait quelques vidéos et ensuite je me suis dit, bon là, tu mets tes chaussures de marche et tu vas un peu te ressourcer, quoi. Donc je suis allée faire un petit tour dans la nature. Hein. Ça m'a reboosté, regardez, regardez dans quel état je suis. J'ai une pêche d'enfer. Donc reconnexion à la nature pour tout le monde ici, pour tout le monde. Reconnexion à la nature pour retrouver un équilibre dans sa vie. Magnifique. On parle de love love. Oui, ne vous impatientez pas. De la love love. Ici, j'ai une femme mature qui pourrait rencontrer l'amour. Il y a peut-être ici une histoire d'amour entre une femme et quelqu'un d'un peu plus jeune. Ok? Donc on ne se fie pas évidemment à l'illustration. On nous parle d'une femme, elle a un collier de perles, elle a la classe, quoi. Une femme classe, une femme qui prend soin d'elle, qui a fait son brushing, une femme d'un certain âge, qui pourrait rencontrer un homme ou qui a un esprit très jeune dans un corps d'homme mature, ou un homme un peu plus jeune qu'elle. On ne vous demande pas d'être en mode cougar. On ne vous demande pas d'être en mode cougar, attention. Gardez votre self-control. Ici, une histoire d'amour. Il y a peut-être une distance géographique entre vous deux. Pourquoi? Parce qu'on parle ici. On parle. On a tous les deux des passions communes. On a plein de points communs. On est parfaitement en connexion avec l'autre. On aime les mêmes choses. On aime les mêmes musiques. On aime les mêmes peintres. On aime les mêmes ballets, les mêmes. Peu importe, on aime la même chose. Et ici, il y a une distance géographique. Attendez, avec la route, avec la voiture et avec le chemin. Il y a peut-être une petite distance où vous vous déplacez, hein, s'il n'y a pas une énorme distance, ça vous le ramenez à ce qui est la distance pour vous. Moi, une grande distance pour moi, ça va être, je sais pas, moi, 500 km. Hein. Pour d'autres, ça va être 6 000. Et pour d'autres, ça va être 30.
Donc, vous le ramenez à ce qui est long pour vous. Donc ici, on arrive à se retrouver, on arrive à équilibrer la relation et à se voir, à se rencontrer, à se donner des rendez-vous, à faire vivre cette histoire d'amour. Cette histoire d'amour, elle ne fait que vous rendre justice. Ok ? Et je pense que vous pourriez aller très loin ensemble. C'est une relation apaisante. C'est une relation pleine de sagesse. Ce n'est pas une relation passionnée où on fait n'importe quoi, où on est complètement perturbé, où on est en mode « je veux à tout prix de l'amour ». Non, tout est fluide. Tout est serein. On est apaisé parce qu'on est nourri, comme cette carte de la campagne. On est nourri par la lovelove.bar. Donc maintenant, ici, on va nous parler de justice pour certains. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de justice ? Si vous êtes concerné dans les jours qui arrivent par une histoire où on doit vous rendre justice, donc tribunal, tous ceux qui sont dans les métiers de l'art ou pas, hein, ça peut être les prud'hommes, ça peut être un conflit avec, je sais pas moi, un scénariste, metteur en scène de théâtre, hein, qui vous l'a fait à l'envers par rapport à vos prestations et compagnie. Ici, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez être défendu par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, que ce soit un délégué syndical, que ce soit un avocat, que ce soit quelqu'un qui vous représente tout court. Car oui, dans certaines situations, on peut se faire représenter par n'importe qui, j'ai bien dit dans certaines situations. Donc ici, justice sera rendue. Écoutez, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici quelqu'un qui pourrait réobtenir le permis. Si on vous a supprimé le permis, ici, vous allez retrouver le permis. Par quel biais ? Je ne le sais pas. Mais vous allez pouvoir à nouveau conduire. Oui, tout, même les petites infos sont importantes dans ce genre de tirage. On nous parle des Gémeaux. Les Gémeaux, je vous envoie de la love par wagon, par pack de 12. Je vous aime. Un gros bisou à Coutinou si elle passe par là. Et écoutez, nous aussi, on va se retrouver. On va se retrouver. Ça ne saurait tarder. Allez, j'ai pas mal de travail en ce moment. Mais, écoutez, je vous dis à très bientôt, les amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Hein, les énergies du jour, hein, signe par signe, hein, ça recommence à partir de lundi. Je vous les posterai dimanche, hein, d'accord ? Dimanche à 11h, soyez au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao.